C'est l'heure du meilleur du pire de Pierre Gasparini sur Modem Radio. Parce qu'avec des chanteurs à la con comme ça, c'est un miracle qu'il nous faudra pour gagner. L'Europe est unie derrière Christine Lagarde. Nous sommes tous derrière Christine. Je me dis qu'elle va l'avoir dans le cul. Qui crache beaucoup plus loin que Dominique Strauss-Kahn, je le rappelle au passage. Mais nom de Dieu, ça s'explique facilement. C'est parce que c'est de la merde. Il a ses fans partout dans le monde. Oui, partout dans le monde. C'est notre ami Pierre Gasparini qui est là le vendredi 20h45 heure de France pour son meilleur du pire. Bonsoir Pierre. Salut Laurent, salut tout le monde. Ah Pierre qui était avec nous mercredi. Mercredi on a eu le droit à une soirée islamiste. C'était sympa, on s'est bien marré. Hein. bah, ouais. On a passé un bon moment. Ah, vous n'étiez pas là? Bon, bah alors ce soir on a décidé de l'inviter. C'est Jean-Marie Bigard dans le meilleur du pire. Le meilleur du pire de Pierre Gasparini. Ah oui, parce que Jean-Marie Bigard, il s'inquiète un petit peu avec les élections qui ont lieu comme cela au Maroc, en Tunisie, la montée de l'islamisme. Est-ce qu'il a peur de la charia, Jean-Marie Bigard ? Ah bah écoute, bon, alors admettons, ouais. Parce que c'est pas encore fait, hein, mais admettons que les islamistes appliquent la charia, tu vois. Oui. Ben il n'y a pas que des inconvénients, hein. Ah bah c'est sûr. C'est sûr, il va falloir s'habituer. Bon, par exemple, jusque-là, tu vois, quand tu descendais de l'avion, quand tu arrivais en Tunisie, bah, qu'est-ce qu'on faisait ? On te mettait un collier à fleurs autour du cou et tout, tu te souviens ? Oui. Bon, et ben là, ça va être radicalement différent, hein. Ah. Alors là, déjà, on séparera les hommes des femmes avant de descendre de l'avion, hein. Bon, et ta femme, on lui mettra plus un collier à fleurs, mais une burqa, tu vois. Tant de dire que pour la reconnaître une fois à l'hôtel, t'es pas dans la merde, hein. Bon, encore, moi, la mienne, ça va encore, hein. Je la reconnaîtrai facile, parce qu'elle est tout le temps en train de gueuler. Alors au moins, si tu la vois pas, tu l'entends, hein. Oui, moi, la mienne, c'est pareil. Ah ouais, pourquoi? Toi, la tienne aussi, fait que gueuler? Ah non, non, moi, la mienne, elle gueule pas, je lui ai appris à la boucler à ma femme. Non. Moi, la mienne, je la reconnaîtrai pas à la voix, mais à l'odeur. Oui, elle dépote, la Gisèle. Surtout quand il fait chaud, c'est une rouquine. Oh, vous êtes horrible, la pauvre. Bon, Jean-Marie, finalement, ça vous pose pas de problème que les islamistes soient un petit peu partout ? Bah non, hein. Bon, évidemment que je te disais, il va falloir prendre des précautions, hein. Parce que bon, prenons un cas pratique. Hein. Imagine. Oui, j'imagine. T'es en pédalo avec ta bonne femme. Oui. Là, d'un coup, elle tombe à l'eau. Bon, alors à l'époque où elle était en string, à la limite, pour peu qu'elle sache nager, il y avait toujours moyen de la sauver, hein. Mais là, avec une burqa, ben il y a bien grande chance qu'elle coule à pic. Et je dis ça sans parler des dauphins. Hein. Comment ça, les dauphins ? Bah oui. Imagine, le dauphin, il voit ta femme en burqa dans l'eau. Et bah pour lui, ta femme, c'est une méduse, hein. Alors du coup, c'est un coup à se la faire bouffer. Et c'est le même constat avec les morses, hein. Ah bah oui, évidemment. Attendez, quoi les morses? Mais n'importe quoi, les morses, ça vit au froid, ça mange des pingouins. Bah écoute, moi l'autre fois, j'étais en Arabie Saoudite. Tu sais, là-bas, ils sont assis à fond dedans, hein. Ouais. Bah, sur la plage, il y avait un groupe de femmes en burqa. Eh ben, crois-moi, de loin, j'ai vraiment cru que c'était la marche de l'empereur. Tu sais, avec les manchots, là. Hein. Bon, alors imagine, maintenant, il y a un morse qui passe par là, oui, et qui se dit la même chose que moi. Eh ben, ça donne un carnage au nom de la religion, voilà. Mais il n'y a pas de morse au Maghreb, Jean-Marie. Non, non, il n'y en avait pas jusque-là. Mais jusque-là, il n'y avait pas de pingouins sur les plages non plus, hein. Le meilleur du pire de Pierre Gasparini. On va peut-être demander l'avis à Charles Aznavour, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur Aznavour. Ouais, 20h45, ça faisait déjà 1h30 que j'étais couché. Un petit épisode de Derrick, un Temesta, un suppo et au lit. Et la bouteille de Pinard, non, vous avez arrêté? Parce que je sais que partout où vous passez, il y a la bouteille. Hein. Ouais, s'il y en avait qu'une. Oui, c'est ça le problème, petite bouteille de Bordeaux dans la loge. Charles Aznavour, vous avez votre avis justement sur la montée de l'islamisme dans les pays du Maghreb et... Ouais, je sais pas si je vais y aller. Ouais, bon, vous voulez qu'on le chante peut-être? Allons-y. Il y
bien voir les Tunisiens, voir les Libyens, voir les Égyptiens qui s'islamisent bien. Voir les Tunisiens, voir les Libyens, voir les Égyptiens qui s'islamisent. Les Tunisiens ont mis dehors Ben Ali, les Égyptiens ont limogé le père Hosni, les Libyens pour gagner leur liberté ont chopé Kadhafi et l'ont zigouillé. Ils sont nombreux pour leurs premières élections à choisir Dieu, à préférer la religion. Une fois de plus, ce sont les femmes qui vont morfler quand s'islamisent les Maghrébins. Viens voir les Tunisiens et les Libyens, les Égyptiens qui s'islamisent bien. Voir les Tunisiens et les Libyens, les Égyptiens qui s'islamisent. Bah merci à Charles Aznavour, hein. C'est bien d'avoir des grands de ce monde quand même. Et tout cela évidemment grâce à une seule personne, une seule voix, ça nous coûte moins cher. C'est notre imitateur Pierre Gasparini, notre imitateur savoyard. Tiens Johnny, vous tombez bien pour finir, je voulais parler de vous. Johnny qui a fait un concert à la Tour Eiffel. C'était bien ce petit concert là, qui était plutôt une répétition avant la grande tournée mondiale. Laurent, je tiens à dire que cette chronique est beaucoup trop tournée sur la religion. Ah bon? Je vois pas pourquoi tu dis que j'ai fait un concert à la Tour Eiffel. J'ai fait un concert à la Tour Eiffel, mais sans religion. Bon, merci en tout cas Johnny d'avoir passé quelques instants également avec nous ce soir. Bon, puisqu'on arrive à la fin de ce meilleur du pire, Pierre, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle Imitation du Dimanche. Vous retrouvez des chroniques. Alors attends, Laurent, je préfère quand même préciser aussi aux gens qui nous écoutent que là j'ai eu, bon, ça fait plus d'un mois que j'ai pas remis à jour mes vidéos. Hein. Oui, oui. Mais là, ça va arriver parce que j'ai eu des soucis d'informatique. On en a assez parlé ensemble, Laurent. Mais parce que faut expliquer. Bah oui, si vous l'entendez mal, que ça crachouille, qu'il y a un peu de souffle, ne changez rien. C'est simplement qu'il Si ça crache, c'est que Dominique Strauss-Kahn. J'en étais sûr. En tout cas, si ça crachouille, donc, eh bien, ce n'est pas Dominique Strauss-Kahn, mais bien le vieil ordinateur de notre ami Pierre Gasparini qui lui fait des malheurs. Et donc, je remettrai toutes mes vidéos à jour là d'ici pas longtemps. Voilà. Et ça fait quoi de faire de la radio sur un ordinateur Atari 1976? Bah écoute, tu dois connaître ça, Laurent. Hein, c'est toi qu'on va le demander, non? Bon, allez, Pierre, passe un bon week-end. Allez, salut tout le monde. À la semaine prochaine.